Cacta. Allez, le 605, monsieur Louis-Jean Rousseau. Allez, c'est lui qui vient de se propulser maintenant à la première position. Et derrière, ça va vite également et ça tente de prendre l'intérieur avec Victor Agosti. Ah, qui se fait un petit peu enfermé, Victor Agosti, mais il contient toujours la deuxième place. Monsieur Jacoro, Alan, pour Saint-Etienne, occupe la troisième position. Oh, que c'est chaud pour la quatrième position. On tente de prendre victoire, ça tombe. Oh, il y a une chute qui vient de se produire. Alors que devant, c'est pas posé de question. Et ça tente de revenir également avec le bougeon Arthur, peut-être. Allez, ça quelle première ligne fournie par monsieur Louis-Jean Rousseau! Mais quelle intensité d'effort dégagée par ce pilote! Alors que la deuxième position, c'est Arthur Chabadon, l'Union PMX du Rouennais qui l'occupe! Ah, il y a Loïc Fourcade à la troisième place! Ah, malheureusement, une chute s'est produite dans la première ligne! Je reviens à la quatrième position! Oh, il va se passer des choses, mesdames et messieurs, avec Tom qui occupe la quatrième place! Faut t'en dire revoir! Est-ce que Tanguy revoit les ressources pour revenir? Ça me semble compliqué. Oh, Tanguy qui termine cinquième et se voit éliminé. Et donc... Allez, Tom! Allez, Tom! Allez, Tom! Allez, à l'intérieur, Louis-Jean Rousseau est bien sorti de la grille départ, mais on lui fait l'extérieur. Ça va être chaud, mesdames et messieurs. On va assister à du grand spectacle dans cette finale junior avec Arthur Chabanon. Allez, Arthur Chabanon, l'Union BMX du Rouennais, Louis-Jean Rousseau est à la deuxième place et Victor Agosti qui tente de monter sur la troisième marche du podium. Et il y a également Marco Boyadjian qui tente de l'attaquer. Oh,